Nouvelles unités, mobilisation de niveau 4, emplacement tour Fisk. Fisk ? Soit en 1084 à la tour Fisk, toutes les unités en stand-by, attente de mandat. Capitaine Watanabe. Est-ce que vous l'avez arrêté? Non, on est à la tour Fisk, mais on n'a pas le mandat. Ça vous dérange si je joue avec vous? Vous connaissez ces avocats. On doit faire ça dans les règles. Allez, Yori, ça fait 8 ans que j'attends ça. Vous voulez m'aider? Allez à Times Square. On dirait que ces hommes essaient d'empêcher les renforts d'arriver sur place. Ok, c'est comme si c'était fait. Times Square, officier prêt pour cible. Sortez le poids lourd. Alors je vous préviens, j'ai la pêche aujourd'hui. Ok, Yori, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Yori? Yori! Je savais que Fisk se laissera pas faire. Des renforts et verrouiller l'espace aérien. Yori, tout va bien? S'il arrive à sortir du bâtiment, on va le perdre. Du coup, je vais... Ouais, allez-y. Yes! C'est le grand jour, Willy! Allez, allez! Faites gaffe! Hé, hey, où tu vas comme ça? Les canaux! J'ouvre la voie! Désolé de vous le dire, mais vous contrôlez rien du tout. Oh, merci pour le soutien. La touche. Allez, allez. Ils ont bloqué les ascenseurs. Par les escaliers. Je préfère une approche plus directe. On va tester l'efficacité de leur sécurité. Oh, vous avez oublié d'installer le dernier patch. Se cacher dans la salle des serveurs, c'est lâche, même pour toi. Eh, hey, c'est pas moi qui efface vite fait mon historique de recherche. Après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu es toujours un gamin naïf. Hein?
Mais c'est ce qui fait mon charme, non? Oh, diable. Enfoncez-moi cette porte, vite! Éliminez-le! Regarde autour de toi! C'est mon œuvre! Qu'est-ce que tu as accompli, toi? Loin de là. Dans ce cas, prépare-toi bien pour la suite. Yori, une explosion à... J'ai vu. Fisk a pu piéger tout le bâtiment. J'envoie une unité de déminage. Je ferai en sorte qu'ils aient le champ libre. Fais-le! Passons à notre peau. C'est bon, on y va! Salut les gars! Les bombes font partie du plan de Fisk pour fuir! Ils doivent être coincés! Occupez-vous d'eux, nous on se charge des bombes! Au secours! Y'a personne qui est... Tout le monde dehors! Évacuez le bâtiment! Spider-Man! On est coincés! On peut pas bouger! Je vais les soulever! Dès que possible, foncez! Si vous le pouvez, aidez les blessés, compris? Allez, allez, allez! Pas, Oli. J'arrive. Attention! Ça suffit comme ça. Vous allez bien? On était sur le point d'appeler des renforts. Eh ben, je suis là. Passez devant. On sera juste derrière vous. Attention, chef. Votre plan n'a pas marché! On écrit ses mémoires? Oublie surtout pas le tirer entre Spider et Man! Préparez l'hélicoptère, ce ne sera pas très long. Je suis surpris que t'aies pu venir jusqu'ici. Mais tes pitreries s'arrêtent là. T'es conscient que je te vois toujours, là? 8 années de cette insolence. C'est pour moi? Fallait pas? Je dois attendre le bon moment. Comment c'est possible? Eh ben, Willy, t'as pas l'air content? Je vais t'aplatir! Essaie toujours! Crée une ouverture! Tu représentes tout ce que cette ville a de pire! J'allais dire la même chose de toi! Vous savez quoi faire! Allez! Encerclez-le! À volonté! Crétin! Vous êtes formé au plan! Je ne veux pas entendre d'excuses! Ah!
Alors tu vas enfin voir Riker. C'est drôle, je crois que t'as plus d'ennemis que moi là-bas. T'imagines vraiment que ce petit désagrément va suffire à m'arrêter? Bon, faut que je file. Hé, hey, bonne chance, Willy. Je crois que tu vas en avoir besoin. Crétin, c'est moi qui maintenais l'ordre dans cette ville. Tu verras, dans un mois, tu vas me supplier de revenir. Pardon, je suis en retard, je me... Wow. Vous avez déjà commencé? La direction du comité de subvention sera bientôt là. N'en fais pas, Peter. J'ai inventé cet équipement, je crois pouvoir m'en sortir. Le filtreur électrique! C'est pas vrai! On devrait peut-être arrêter! Pas encore! Tenez bon! Docteur Octavius, est-ce que ça va? C'est pas encore ça. Mais on progresse. Vous êtes blessé? Non, mais tout était de ma faute. Attendez, les niveaux d'énergie ont dépassé nos espérances. D'un certain point de vue, c'est un développement très positif. L'odeur n'augure pourtant rien de positif. Je vous assure, la phase suivante... Ne nous emballons pas si vite. Est-ce qu'on pourrait aller en discuter autre part? Tu peux prendre le reste de ta journée, Peter. Mais... On en reparlera plus tard. Maintenant que vous avez arrêté de fumer, vous dites quoi à vos collègues quand vous montez ici? Je leur dis que j'en ai ras-le-bol de voir leur tête. Ça se tient. Alors, qu'est-ce qui se passe? Besoin d'un cavalier pour le bal? Vous avez un speeder smoking? De toute façon, il n'y aura pas de bal cette année. Tout le budget est passé dans le matériel de surveillance de Scorp. Mais ça valait le coup, non? Oui, c'est vrai. Jusqu'à ce matin. Le système nous a lâchés. Dans toute la ville. Toutes les tours. Comment ça? Apparemment, quelqu'un a saboté le serveur central et depuis, toutes les tours sont HS. Un de vos hommes? Peut-être. On verra ça plus tard. La priorité, c'est de remettre les tours en marche. Et vite. Et donc, c'est moi que vous appelez? Oh, c'est adorable. J'ai appelé une personne de confiance. Et puis le signal est brouillé, on ne sait même pas comment y remédier. J'adore les défis! Si vous cassez, vous payez. Je croyais que vous me faisiez confiance. Les fréquences d'entrée sont inversées, subtil. On vient juste de récupérer une tour. C'était vous? J'en ai sous le masque, hein? Quoi que vous ayez fait, vous pourriez le refaire avec les autres tours? À votre service. Ah, pour info, j'ai dû me synchroniser avec la tour pour la réparer. Je peux voir toutes les données criminelles du secteur. Et on dirait bien qu'il y a un cambriolage pas loin de moi. Parfait, j'ai des unités pas loin. Pas la peine, je m'en occupe. Vas-y. Couvre-moi. Je doute que ces types aient oublié leurs clés. Ok, c'est plié. Merci. Maintenant, je vois une agression près de vous. Ah, vous avez de la chance? J'ai justement un vieil inspecteur Bougon au cœur d'or sous la main. Quoi? Non. Vous m'avez promis que vous ne feriez... L'inspecteur Speeder. Je vous en prie. Alors, c'est toi la balance. Dégage, raclure.
Ouais, c'est bien elle. J'ai dit, dégage! Mais fiche-moi la paix! Boucle-la un peu. Ne me touche pas! À l'aide! Au secours! Laissez-la tranquille! Oh non, Spider-Man! Dégage d'ici! Où je la bute? Lâche-moi! Tout va bien, madame. Je savais que Jameson se trompait sur toi. T'es un peu bizarre, mais t'as un bon fond. Est-ce que vous avez un endroit où aller? Je peux me débrouiller toute seule. J'en doute pas, mais au cas où, il y a un endroit appelé le Centre Fist. Je sais, mais je veux pas la charité. Ils font les meilleures galettes de blé de la ville. Et de loin. Ma mère m'en faisait. J'en ai pas mangé depuis... bien longtemps. Ok, j'irai peut-être. Merci, Spider-Mec. Non, mais c'est Spider-Man, mais... Bon. Je devrais pouvoir repérer la prochaine tour de là-haut. Oh, wow. Un de mes vieux sacs à dos de l'époque du lycée. J'avais oublié que j'y avais fixé une balise. Ouvre le coffre! Allez! Eh, salut! Ah! Spider-Man! Tue-le! C'est bon, Yuri. Je vais réparer la dernière tour de Chinatown. Vous voulez dire que l'inspecteur Spider va la réparer? J'y ai bien réfléchi, Yuri. Être policier, c'est un truc de jeune. Et l'inspecteur Spider, c'est plutôt un vieux de la vieille. Pourvu que ce soit bien ce que je pense. À partir d'aujourd'hui, l'inspecteur Spider prend sa retraite. Oh non. J'ai pas envie qu'on voit mes trois poils sur le torse. Le doc est sorti pour la soirée. C'est le moment de passer à mes activités d'araignée. Peter! Docteur Octavius, qu'est-ce que c'est que ça? Mon dîner. Si j'avais su que tu étais là, je... Sur quoi tu travailles? Sur un projet personnel. Alors c'est donc ça. C'est toi. Je vois pas de quoi vous voulez... Oh, je t'en prie, Peter, c'est évident. Je vais vous expliquer. J'aurais aimé que tu me le dises plus tôt. Mais je voulais le faire. Mais j'avais trop peur que ça sache et que ma famille soit en danger. Oui. Je suppose que si tu crées tout son équipement, ses ennemis pourraient t'en vouloir. Ouais. Oui. T'en fais pas. Ton secret est bien gardé. Eh bien, je te laisse travailler. Regarde tes mails. J'espère que c'est pas le doc qui me renvoie. Peter, quand j'ai découvert que tu étais le costumier de Spider-Man... D'ailleurs, est-ce le bon terme? Ça m'a rappelé ta valeur en tant qu'individu et en tant que partenaire. Pardon, je suis en retard. Sur le vent. Canon, Spidey. Bonjour, New York. C'est le même, mais en mieux.
Yori, je suis sur l'un des chantiers de Fisk. Il y a pas mal de monde ici, mais aucun ouvrier du bâtiment, a priori. D'accord, et qu'est-ce qu'ils font? Je vais essayer de voir ça. Un SMS du doc. On dirait qu'il a mis un concept de Spider Gadget en pièce jointe. Il arrête jamais. Wow! Ça pourrait bien marcher. Parfait! Le doc serait fier. L'endroit est condamné, capitaine. Couvert de toile, pour être précis. Et quelqu'un a enfin signalé des coups de feu. J'ai donc pu envoyer des agents. Beau travail. Monsieur Lee doit être en cuisine, en train de préparer la fête. Ah, Martin, désolé pour le retard. Non, tu tombes à pic. Essaie de l'occuper pendant qu'on prépare la surprise. Pas de problème. Hé, hey, mais c'est ma tante préférée. Peter, ça pour une surprise. Je peux t'aider? Oui, si tu veux. Oh, et il y a des boîtes très lourdes. Non, pardon, je voulais dire un peu plus tard. En fait, je suis venu pour... J'avais seulement besoin de parler. D'accord. Très bien. Peter, tu as des problèmes? Tu as besoin d'argent? Enfin, je suis un peu en retard sur mon loyer, mais... Non, ça va. Encore des problèmes de cœur, c'est ça? Quoi? Non, pas du tout. J'aimerais tellement que ça marche entre MJ et toi, c'est une fille très bien. Je sais, mais... Et tous les deux, vous feriez de si beaux bébés. Peter, que se passe-t-il? Allez, dis-moi tout. Toutes ces dernières années, tu m'as aidé dans mes études tout en travaillant ici. T'as fait tellement de sacrifices et sans contrepartie. J'aimerais qu'il y ait plus de gens comme toi dans le monde. Il a raison. Il y a 5 ans, vous êtes arrivé ici en disant admirer ma détermination à aider les autres. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous admirer. Merci, May, pour tout. À ces 5 années et à celles à venir. Merci encore d'avoir préparé tout ça. Ah, j'aurais aimé pouvoir faire plus. Eh bien, Tante May a toujours dit que sauver une personne... C'est sauver tout le monde. On devrait peut-être envoyer May à l'hôtel de ville pour discuter avec le maire. Oh, il faut que je file. Merci encore pour la fête et le reste. Ça compte vraiment beaucoup. Message vocal de Yuri. Hé, alarme silencieuse à la salle d'enchères où se déroule la vente des biens de Fisk. Vous pouvez jeter un œil? Discrètement. Je ne veux pas faire de bruit pour rien. Les biens de Fisk? Génial! Je me demandais ce que Kingpin cachait dans ses placards. Je commence à perdre patience. Où est le dossier? Il y a une autre personne. Elle a dû le prendre. Ces masques, qui sont ces types? Il n'y a personne d'autre que nous ici. Nous trouverons le dossier. Ou vous mourrez. Ça craint. S'ils me repèrent, ils la tueront. Je dois agir en silence. Yuri, l'alarme silencieuse se confirme. Des hommes masqués, armés et une otage. On a un braquage en cours. D'accord. Ils ont l'air si mignons en mitoufles comme ça. Sois sage maintenant. Mais ça appartient à... Bouge pas! Mon pote, si j'avais eu $1 à chaque fois qu'on m'a dit ça... Hé, Peter! MJ? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu fais ici? La même chose que toi. Je travaille, enfin... Je travaillais. Oh, je crois que c'est à toi. Oui, merci. Donc Robbie t'envoie couvrir un cambriolage pour le Bugle? En fait, techniquement, Robbie ne sait pas que je suis là. Et au début, c'était pas un cambriolage. Quoi? Je t'explique. Je peux vous aider? Bonjour, Mary Jane Watson, je suis là pour l'article sur les ventes de Fisk. Bonjour. Craig m'a dit que nous ferions ça demain. J'ai toujours aimé prendre un peu d'avance. Eh bien, je suis désolée, mais vous allez devoir revenir demain. Très bien, je comprends. Excusez-moi. Hey, Craig. Non, désolée, mais je crois qu'on va devoir trouver un autre sujet pour la une. Je sais pas trop... Un truc sur la toile expressionniste? Attendez, on devrait pouvoir faire ça aujourd'hui. Vous êtes sûr? Vous êtes là, profitant de l'occasion. Je vous remercie. Craig? Laisse tomber. Fausse alerte. Très bien, allons-y. Wow. Je reconnais cette statue. Il faut que je prenne une photo. Ça n'a rien à faire là. Allô? Craig, je te rappelle. Mademoiselle, je crois qu'il est temps pour vous de partir. Oh, est-ce que je peux utiliser les toilettes? Très bien. Tiens, salut Craig, c'est marrant que tu m'appelles. Parce que la journaliste que tu as envoyée ne travaille clairement pas sur l'article convenu. Non, elle est ici. Il faut que j'entre dans l'arrière-salle. Peter m'a parlé de ça. Voilà! Norman Osborn. Qu'est-ce que c'est? Le souffle du diable. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que... Excusez-moi, monsieur! Non, vous ne pouvez pas! J'aime pas ça. Où est la statue? Ici. J'allais rejoindre la sortie quand je t'ai vu. T'as de la chance d'être en vie. C'est pas moi qui t'ai sauvé il y a 5 minutes. Écoute, je sais pas qui sont ces types, mais ils veulent ce dossier. Et je peux pas le sortir d'ici tant qu'ils occupent le bâtiment. Bon. Ok. Retourne te cacher là. Je m'occupe des méchants et tu fonces quand la voie est libre. Ça me va. C'est bon de te revoir. Ouais, toi aussi. Mais c'est pas comme ça que j'avais imaginé nos retrouvailles. C'est drôle. C'est exactement comme ça que je l'imaginais. C'était le dernier. Non! Lâche-moi! Angie! Des otages, les gars. Hmm.
Ça a l'air ancien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait retrouver d'où ça vient. Je verrai ça plus tard. Je viens de parler à Craig. Vous n'êtes pas la journaliste qui l'a envoyé. Vous n'êtes même pas une de ses employées. J'ai jamais dit que je l'étais. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Je vous interdis de raconter un seul mot de ce qui vient de Alors, se passer. Alors, que savez-vous sur le fichier que les hommes masqués ont volé? Ça, je ne sais rien. Et qu'en est-il des objets volés que Fisk a blanchis dans cette salle d'enchères pendant des années? Votre rédacteur en chef aura des nouvelles de notre avocat. Chez Mick? Comme si rien ne s'était passé depuis 6 mois. Depuis quand Mick est devenu italien? Aucune idée, mais je suis content qu'il fasse encore ses fameuses frites. Tu m'étonnes, les meilleures de la ville. Alors, comment ça se passe au Bugle? Eh ben, en fait, Robbie vient de m'envoyer un texto tout en majuscule à propos de mon exploit d'aujourd'hui. Je crois que je vais avoir affaire au service légal. Encore. Ah, une fois qu'il aura lu ton article, c'est la promotion assurée. Sinon, tous ces affreux masqués, t'en penses quoi? Rien d'extraordinaire. Et toi, à ton avis? Je crois que cette affaire va plus loin qu'on le pense. Mais arrêtons de parler boulot pour l'instant. Comment ça va pour toi? Tu l'as eu finalement cette promotion? Non, mais on est sur le point de faire une très grosse avancée. Tu sais que tu pourrais facilement bosser chez Oscorp. Un coup de fil à Harry et... Ouais, mais les recherches du docteur Octavius aideront des tas de gens. C'est exactement ce que je veux faire, c'est ce que je dois faire. On dirait presque que c'est plus important que ton autre job. Je t'avais jamais entendu parler comme ça. Beaucoup de choses changent en 6 mois. Pourquoi tu m'as fait venir ici, Peter? Eh bien, pour un simple dîner entre amis. Des amis? C'est ce qu'on est pour toi? Oui, je veux dire, pourquoi pas, si c'est vraiment ce dont t'as envie. On a un sacré bagage, nous deux. Ouais, c'est pas faux, mais... Est-ce que c'est vraiment un problème? C'est vrai, les bagages peuvent aussi contenir des trucs bien, comme de l'argent, des clés et du baume à la framboise. Tu te rappelles pourquoi on a rompu? C'est une question piège, pas vrai? Sauvé par les sirènes. On se parle plus tard. Phil. Ça me fait très plaisir de vous revoir ensemble. Je vous ai toujours bien aimés, tous les deux. Salut, Herman. Sérieusement ? Laisse tomber, t'arriveras jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je veux pas te faire de mal. Ce serait une perte de temps. Voilà. Parlons un peu. J'ai dit assez. Parlez. Figé. Franchement, Herman, fallait vraiment que tu remettes ça? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais... À ce point-là, ça devient criminel. Tu sais quoi, Herman? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous m'aimez bien, non? Disons que je vous tolère. Oh! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa.
Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, monsieur Lee. J'ai une amie, Mary Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire, et... Yes ! Hey ! Mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement ! Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèses. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter arrive à rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter, il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Spider-Man, Shocker s'est évadé. Il est en train de dévaliser une banque sur East et la 31ème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu une mauvaise onde ? En quelque sorte. Un des gardes est allé à sa cellule et l'a libéré avant de lui rendre son équipement. Je savais que Shocker travaillait pour quelqu'un ! Herman ! Ça faisait un bout de temps ! Eh, je suis pas avocat, mais je suis à peu près sûr que t'es pas censé faire ça. Oups ! On dirait qu'on en a pour un moment. Tu veux jouer aux devinettes ? Non ? La garde est pousse alors ! Très bien ! On va régler ça au point ! Wow !
Ton équipement a bien été amélioré, on dirait. À ton service. Si tu veux te battre, on va se battre. Ah, j'ai hâte que tu sois en prison pour qu'on puisse parler science. Les gens vont plus vraiment à la banque. T'as de la chance d'avoir trouvé de l'argent. Si tu veux vraiment toucher le pactole, essaie les crypto-monnaies. Ça cartonne. Attends. Oh non ! Sérieux, Herman ? Rends-toi maintenant et on le protégera! Tu rêves! T'as pas vu ce que j'ai vu! Espèce de sale! Ok, dernière chance de prendre! Cette fois, je vais me fâcher! Désolé, Herman! La sentence est tombée. Littéralement. Ah. Il était terrifié, désespéré. Ces démons sont vraiment partout en ce moment. Et s'ils mettent un pied dans ma chambre forte, je vous fais abattre. Compris, boss. On triple la sécurité. Les démons toucheront à rien. Écoutez-moi! Les démons s'en prennent à toutes nos planques! On en a déjà perdu deux cette nuit! Le boss est peut-être en tôle! Mais personne touche contrôle à ses affaires! Aigle 2, tout va bien? Aigle 2 au rapport, RAS. Quel genre de planque cherchent les démons? Il faut que je neutralise les hommes de Fisk et que je découvre ce qui protège. Quoi que ce soit, je veux pas laisser ça entre les mains de Fisk, ni celles des démons. Il y a des snipers partout. Je devrais commencer par eux. Trafiquant de drogue dans les années 80. Vous savez qu'il est interdit d'entrer chez autrui et de fouiller sans autorisation. Ouais, je sais. C'est pour ça que j'ai apporté un mandat. Alors que diriez-vous de faire une fouille parfaitement légale ? Ça me paraît tout à fait honnête. C'est quoi votre nom ? Je suis l'agent Davis. Appelez-moi Jeff. Et vous êtes... Je vous fais marcher. Mon fils est un vrai fan. Dites, votre mandat, il autorise à forcer les portes ? Seulement au prix d'une montagne de paperasse. Je vois. Je vais faire autrement. On se croirait dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Bon, où est cette porte verrouillée ? J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein ? Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non ? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier ? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez. Vous ne trouvez pas que ça sonne creux ? Il y a un panneau caché, comme celui de la porte. Les conduites passent derrière. Cherchez une autre boîte de raccordement. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, hey, je n'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre ? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Bien vu, Jeff.
Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider? Ce truc est lourd. 1, 2, 3. Hein? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Je vais voir à quoi ça ressemble d'en haut. Je peux passer par ici. Bougez pas. Je suis bloqué. Vous pouvez m'aider? C'était quoi ça? Le métro peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont instables. Ok, ok. C'était clairement pas le métro. Non. On aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte! Vite! Allez, dépêchez! C'est pas vrai! Les démons sont déjà passés! Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Essayez de la trouver. Chut! Des démons! Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez! Police! Stoppez les camions! Pas bien, Harmon! À couvert! Hé! Bien joué! Je vais tirer! Derrière vous! Je recharge! Moi non plus, je suis pas tout seul! Samba! Quoi? Stop! Ça va? Partez! Je vous rattrape! Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Salut! Il reste une petite place? Terminus! La ligne 3 a décidé d'arriver à l'heure. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée.
Empire Sanitation Eddy, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Euh, 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddy. Garage municipal, Bowery et Grand, pas de problème. Allez, sois ici, sois ici. Oui ! J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, hey, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Ça y est. Regarde, c'est le type qui se prend pour Spider-Man. Oh non. Tuez-le! Mais qu'est-ce que vous fichez? Allez, tuez-le! Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Salut, May. T'appelles tard? Qu'est-ce qu'il y a? Je croyais qu'on devait se retrouver pour dîner ce soir. Oh, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter. Je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. Morning, most streets have been cleared and reopened for use.